à faire 54 visas, pas lire ou pas. Ouais. À faire 54 visas. Ouais. Puis attaquer artiste, musicien. Bravo, peut-être bravo. C'est bien parce qu'il y a l'amour d'ouvrir son cœur à tout le monde. Comprendre. Mais je pense que c'est pas quelque chose qui doit faire l'actualité. Moi, j'y pense parce que beaucoup d'artistes, la salle, maintenant, déjà, c'est belé en tout cas là. C'est moi, je pense que l'actualité, il faut se concentrer sur son concert. Yo mon pona. Isilani comme un geni, Isilani comme un geni. Il arrive au studio, à l'Okinzembo, c'était une musique mélangée, du salsa. À l'Okinzembo, avec de la salsa plutôt. À l'Okinzembo, il fallait bien la évoluer. Il chantait mieux que moi. Alors moi, je me dis, comment un grand comme papa, a occupé mon livre, une source. Tu vois, cette humilité-là m'avait beaucoup marqué. D'accord. Comprendre. C'est quoi, il faut le voir bien, les moines. Moines, ça veut dire tout simplement le roi. Voilà. Ah, Koloyo, c'est le roi. Si c'est un peu à toi, là-bas, le roi, il a fait repos la Jésus de Nias, mais un roi. Oui, mais mon grand roi, c'est un côté naïf, côté un roi. Tu vois. Voilà, donc, par rapport à la contribution, là, d'accord. Oui, on a baissé la musique, il y a. À Katanga, les gens qui ont été battus par 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 les gens qui ont été il y a eu des gens qui ont été battus par les gens. Voilà, donc je pense que on a dit nous surtout là. Donc mon album est vraiment, ma musique a toujours été mélangée. C'est une musique où on a toujours mélangé dans la sonorité et ma musique est belle. Moi j'ai commencé à mélanger. La R&B à la rumba, il y a très très longtemps. D'accord. Parce que l'élo, il y a des gens qui se proclament que Bangoni va y aller à Makambouane. Et ils sont tous dans un cas là. J'étais fort, moi aussi, dans la future, j'ai dit, non, je te sens déjà depuis trois ans passés. Voilà. J'ai mis ça en route parce que mon souci était dans la clip. Alors son programme aussi, il n'en mettait pas tout ça, Bani. L'homme des stades. Oui, j'espère qu'un jour. Souci, dans un disait mon bombe en Oka. Et je pense que c'était la première fois à Aïma la Swahili. Au salaire en haut avant ça, la Tchèze. Ouais, il m'avait dit même au studio que ah, on peut s'en aller à la salle à boire à Swahili. Il y aura une voix dans l'aïe. Moi, je suis un chanteur. J'ai aussi une très belle voix. Qu'est-ce que c'est l'autotune de bon, toi, quand tu as ma mototune. Qu'est-ce que c'est l'autotune de moi, j'ai une belle voix. Il y a une autotune de autotune, les lots dans le studio. Autotune, on a voix à Bani. Ok. On a tout dans le studio. Mais ça, l'autotune, on a évité que Bati l'autre. Non, je t'explique. Je m'en vais voir ma ingénieur dans le studio. Je vais expliquer ce que je vais expliquer. C'est mieux pour ça le lot. Au fait, moi, je chante bien, je n'ai pas besoin. Que ce soit en studio, que ce soit en live, je vais me faire un peu. Au banda, invitation au cours ardoise. Mais avec Diven, invitation en bois. N'est-ce pas que mon Joseph, tata mon collègue. Grand menuisier. Mais invitation en carton, n'a pas follow le nango. Jardin de Dieu. Invitation à vous. Bon, moi, mon collègue, tu l'as ta maison Diven, à Bossa Liminoté, à Tchéliminoté promotion, on l'a à Pamba. Maison Given, vous êtes trop amoureux du pays. Wow, Given, vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Bonjour, bonsoir. On a abonné nous sur la Congo et Senga officielle TV.
très à l'aise de vous retrouver partout où vous êtes, hein. Très à l'aise de vous retrouver encore une fois. Na émission nabino, le news de choice, hein. Le news de choice, c'est toujours qu'à wana pour nommer nabino. Bah, actualité news, c'est zara natanga pour nommer nabino, rien que la vérité, à wa l'okouté les kakate. Je passe d'abord derrière la caméra, je dis bonjour à mon caméraman, Armel de mon cœur. Pourquoi pas un grand bonjour à toi, soda coiffure. Désormais, on a besoin de poser opérer qu'à bien. Là, ça bien. Oye, qu'à la direction, chopin, na veni di kerimbana coin. Au mona, ça m'a vie à y pèse à wana, au mona, soda coiffure. Na émission, le logo esquisé, na zaki, na besoin à la naturelle. Avec mes cheveux naturels, na émission, quoi, au mona, sconde soda. Alors là, Mara, je dis bonjour à toi, à Guéné. Jeune garçon, à l'équipe, à Dieu, dans la manza, qu'à na entrée, tu as pris. Et voilà, vous voyez mes ongles. C'est, ils arrêtent toujours qu'ils te copo, à Guéné, à Sirakango. Pourquoi pas dire encore bonjour à toi, ya Willy Mouchen. Plus 243, les voix d'état paquebo. Pourquoi pas dire encore bonjour à toi, Bino Lubi, Kambongo, ya propre. Et pas na mbongo, ça l'état, ils arrêtent. Bonjour à Fondation Mukuti. Bonjour à Saint-Patrick Ponce-Mona, général Maëlle. Bonjour à toi, Bellor de la presse, hein. Et voilà, bonjour encore une fois, na Bino Nusbulinga, Kachoy Stumba. Patre Madi Benzema de la presse. Abonnez-vous massivement. Na Congo est un officiel plus, vous abonnez, tout ça vraiment na challenge il y a 30K et voilà, vous c'est plus ça, bisous toi vraiment na bisous il y a 30K pour tout fêter na bino. Et voilà aujourd'hui dans les news de Joyce, na vous allez à mon côté, j'aurai ça pour vous, Joe Gizi. Joe Gizi, vous êtes sous babi que bah il vient déjà, vous êtes sous babi, c'est posé la question, Joe Gizi, non, Joe Gizi, azali artiste, musicien congolais, mais azala kana Lubumbashi. Et voilà, Lubumbashi Zara à Congo, nous c'est Zara à Kisasa. Donc aux Alanaïs, on a quatre émissions à Bissoualelo. Donc les gars, toi, bah, Joe a longué depuis Lubumbashi, quoi, qu'il chasse pour nous les canards congolais singo. Puis nous nous sommes venus, Joe Gizi a zoa temps y a qu'au travailler. N'a pas mes jeux 30, à zoa temps n'ayez pas qu'au travailler, n'a pas signé le cœur n'a groupe n'ayez, à zoa temps vraiment y a qu'au travailler, n'a pas artiste musicien belé Tomoni Joe Gizi avec featuring avec Sama Baby featuring avec Rite Watanabe to meka vraiment sur l'année parce que aye vraiment na Congo singo place singo zarana ba bono ba linga ka musique Armel Pongolelanga caméra na ba invité na nga Joe Gizi Karibu. C'est ce que vous dites là-bas à Lubumbashi, non? Ouais, Karibu, ça veut dire bienvenue. OK, Karibu. Voilà. À Kinshasa d'abord, soyez le bienvenu à Kinshasa. Merci. Ça va, à part ça, comment vous allez? Non, ça va très bien. Donc, c'est un plaisir pour le plateau. Voilà. Voilà, comme ça, tout balanda à OK. Va comprendre comment ça l'a dit, quoi. OK. Voilà. Voilà, Joe Gizi, Banamondo, tu vas l'anda biso. Parle-nous d'abord de toi, au fait. Ouais. Parce qu'ils ont un bac baïebu, ils ont un fan na yo de Joe Balanda Kayo, baïebu que Joe Gizi a kanali Lubumbashi. Non, pour moi, je peux dire, n'est-ce pas, Kofi Olomide. Non, la Lubumbashi, c'est maintenant Joe Gizi. Donc, hérité na manga Lubumbashi, donc, père na manga Lubumbashi, pali na manga Lubumbashi. Un simple artiste, quoi. Voilà. Voilà, donc, je m'appelle Joe Gizi, fondamental. D'accord. On m'appelle fondamental parce que, dans tout ce que je fais, il y a le fond et le mental. Voilà. Donc, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, même dans mes textes, dans mon écriture. Voilà. Voilà. Si Kolo Babenga, les Moami. Les Moami, ça veut dire tout simplement le roi. Voilà. Kolo Mabele. Ah, Kolo Yo, c'est le roi. Si c'était plus à toi, là-bas, le roi, il a fait rigoler Jésus de Nias, mais tu roi. Oui, mais, Moutra Moutazar, là, côté Naya, côté Nias, un roi. Tu vois. Voilà, donc, par rapport à la contribution, là, d'accord. Oui, on a, la pièce, la musique, il y a côté à Katanga. Et ça, vous, tout le monde, ma pièce, là, comme okay, moi, Katanga, voilà. Ouais. Voilà, parce que tout le monde, quand même, musique, voilà. Tu le vois, au monde, qui est comme vous, bête, là, bah, il y a eu des gens, oh, babanda, il dit, parce que déjà, même chez Bissou, à l'époque, pour ben, dire, ma Bissou, artiste, il y a Lubumbashi, à Katanga, le public, na Bissou, il y a un public très compliqué. Voilà. Il y aura la difficulté à venir, ma bête. On s'est battu pour que les lots Oyo, musique Nabiso et au moins niveau réseau Zorana. Il y a un monde, tout bas, moi, là, qui j'ai quand même donné beaucoup. Le fait que déjà, là, début à carrière, là, en 2006, j'ai eu la chance, dans mon premier album, la Rouyemba, un des grands, des icônes comme Papa Wemba. Voilà. Voilà, la joie chance, c'est ça, la feature Minaye, sur le titre Baila, qui pour retrouver dans la chaîne YouTube Nanga, voilà. Joe Gizi officiel. Voilà, dans un péché, on s'est envoyé ma maman Bigabelle. J'ai chanté aussi avec Jean Goubal.
Voilà. Et quand j'ai travaillé cet album en studio, comme j'avais besoin de ma voix basse à l'époque, ma mélanga Mégé, Candy, Chimel, non, Candy, c'est Cindy le Tatiana, cœur, en fait. Voilà. Donc, ma voix, il y a ma fille en album, moi, là, c'est des filles qui ont travaillé avec moi. Ah, c'était leur boulot à l'époque, hein. Elles venaient mettre des voix des filles dans les albums de beaucoup d'artistes, d'ailleurs. Voilà. Et puis après, quand mon album est venu, il fallait aussi la tourner à niveau de la Lubumbashi, Afrique australe. Mais à partir de Kinshasa, déjà, on a fait une tournée avec toutes ces filles-là. Grand Hôtel que j'ai fait, 7e rue, Terrain Comex. Voilà, donc. Et tout ce que Lubumbashi, tout ce qui tournait là-bas. Mais je n'ai tout qu'un d'Aranaï. Candy n'était pas parti. Voilà, donc quand je parle de Candy, C'est Cindy le cœur, voilà, mais c'est Rouana de la rende de Candy, en fait. Justement. Voilà, donc c'est un peu ça mes débuts. Alors à l'époque déjà, pour voir un artiste de la province, venir à Kin, courir Manaba Grand et contribuer à l'évolution de la musique, la bise au côté pour là. Tu vois, donc c'était quelque chose déjà qui était très impossible à cette époque, mais grâce aussi à la maison de production, Oyo et pour Zayingai, le management, il y a lui, Onema, pour le studio Miko. J'avais cette chance à Royema, là, ma grand-mère. Ça m'a pu, et bien, ça m'a amené à Kim. Voilà donc comment étaient mes débuts, quoi. Voilà. Voilà. Voilà, moi, j'ai quitté le début à Jotizi. Quand tu chantais avec Claire Wando Yemba, na future nous sera qui Claire Wando Yemba na Papa Wemba. Nini oyo vraiment ozoa ya mayele pa ya Papa Wemba. Bon déjà comme on a Papa Wemba boya en face, c'était la toute première fois. Voilà. Bon à mon âge à ma concert, j'étais encore petit, mais être proche de lui comme ça, c'était quelque chose de ouf quoi. Okay. Moi je le voyais qu'à la télé, avec moi la mouquet, mais après le voir comme ça venir au studio pour travailler avec moi. Le Walibosso, tant qu'on commence d'abord, ce que j'avais remarqué, il était très ponctuel. Voilà. Donc, quand il était dit 8h, déjà vers 7h40, 50, il est déjà là. Il arrive au studio, à Yokinzembo, c'était une musique mélangée, avec du salsa. À Yokinzembo, avec de la salsa plutôt. À Yokinzembo, il fallait au Benga et Voloko. Il chantait mieux que moi. Alors, moi, je me dis, mais comment un grand comme Papa Wemba a occupé Wendima Batunisus. Tu vois, cette humilité-là m'avait beaucoup marqué. D'accord. Comprendre. Je lui ai dit, non, papa, moi, c'est toi que je fais. Voilà. Donc, il m'avait d'abord marqué la pointe. Voilà. Pour lui, il pensait que Voloko allait mieux chanter sur ces titres que lui. Le fait de reconnaître aussi les autres, c'est une grandeur, quoi. La grandeur d'esprit. Voilà. Et puis, ce jour-là, j'ai appris. En tout cas, quand je chantais avec Papa Wemba, j'avais appris comment Royema la micro à studio. Voilà. Parce que Royema la micro à studio, il y aura différent. Royema la micro à live. Voilà. Parce que la puissance n'est pas la même. Puissance, il y a micro à studio, il y aura ma casse. Royema peine à m'aimer la douceur, mais qu'on ait bien ma casse. Donc, j'ai appris quand même ce jour-là, technicité vocale, voilà. Voilà. Et puis après, on a fait le clip. Et c'est une grande expérience que j'ai eu à faire. C'est mon plus grand futuré de ma carrière. On a fait à son âme, mais on continue à vivre à travers ses œuvres. Quoi. Ok. Voilà. Jogizi, présence non à Kinshasa. C'est pour faire la promotion. Ou bien c'est plus pour nous voir aussi sa featuring et bande de commissions aux avant. Alors. Premièrement, tu as qui une quarantaine d'artistes où il va évoluer dans un espace grand Katanga. Quand on dit grand Katanga, on voit le haut Katanga, Lwala Bakolozi, Fungu Melikasi. Donc, tu as qui pour lancer hommage à Jean Bosco Mwendabaye, qui est un grand artiste où il a évolué à Kula, mais un Congolais, qui a contribué beaucoup à la musique de Nabiso, mais Babo Sanaye, Bakpe Saye Place. Et singularité. Donc, Jean Bosco et Moutaïma, ma chère, Moupendi, Baba Chananita, Koufika Kolwezi, Mpendi, Wangu, Moutapata Barua, et Moutaïma, ma nani, alien, Nanjia, et tout, Jadovile, Koupiti, Nanjia, et tout, Yaboulou. Mandi Mounaï, Batubile, ma interprétariaro, bisou, ma jeune, allez, l'autre interprétariaro, notre sœur, grande sœur, DG Barbara Kana, ma interprétariaro, et ma guitare, acoustique, asa parmi bateau babana makamo na Congo. Donc na Congo. Na Congo oui. Ah, d'accord. Donc là il est mort depuis 32 ans. Depuis 32 ans. Alors
bah guitare naie et à la barouma et belé. Dans la vanne à la papa, moi j'ai dit tout à l'heure, il m'a dit qu'il s'inspirait bien à Jean Bosco. Voilà, la vanne à la vie Bozi, il m'a dit qu'il s'inspirait bien à Jean Bosco. Alors il était important pour nous de venir l'honorer à niveau de la capitale pour faire donner un signal fort. Okay. À Zaka et Mogote, on est venu aussi honorer Jean, plutôt Edouard Massengo Katiti. Yé moto ça l'a dit moi malaika na kupenda malaika na mini fanyeje kijana mwezi yo il dit moi là beta partout moto composant dit moi grand prêtre wana Edouard Massengo Katiti voilà aza auta ndiko tala ka artiste bon ba bossa na bango tu vois donc on est venu ça là qui deux concerts beta qui na showbiz. OK, tu as dit très très bien ba image ali. En tout cas, la salle était vraiment pleine. Voilà. Après, voilà, tu es obligé de s'y un chapiteau à GB. GB. Alors là, on a mis aussi des grands qui nous ont accompagnés, voilà, comme Maman Biliabel. Voilà, on avait Azaki, voilà, il y avait le vieux Redi Amissi. Voilà. Pour montrer l'unité et la fraternité entre voilà. Congolais. Voilà, première mission, tu es là qui, il y a voilà. Et puis, on s'est aussi impliqué pour que Komo Nabango et Kota. Na place des artistes, place matière à combo, il y a artiste qui va marquer histoire. Voilà, la victoire. Na place de la nouvelle victoire. Il y avait aucun nom, il y a artiste où il y a dans la province. Oh là là. Tu vois un peu. Donc il y a des gens qui sont évolués dans la province, tu ne fais rien. C'est ça. Donc c'était pour nous. Et Bérangère qui vient nous payer. Oui, oui, oui. En tout cas, on s'est impliqué. Il y a eu une cérémonie officielle où il y a des gens qui Jean Bosco, Mendabaïke, Massimo Katiti. Mon Franco Loalesa, qui est un grand comédien de chez nous, et Kota qui peut dans la place des artistes. Ça, c'était la toute première mission pour Otoye Laki. Alors, après, l'artiste est Bélé Bazongaki. Je suis là pour la promotion de mon quatrième album, L'Élu 007. Pourquoi Élu 007? Bon, un élu, c'est quelqu'un qui était choisi par Dieu pour réussir. Okay. Donc, élu, à table de combattre, il y a un peu de temps pour réussir. Voilà, parce que carrière, on a rencontré un combat ébélé. Voilà. On a rencontré un combat ébélé où il freinait ma case. Voilà, il freinait ma case. Des fois, on a un boulot, on s'est étonné, comment va le niveau de boulot à bouiller? On a une miquilité. Parce que tout simplement, il y a eu des gens qui ont tout fait pour carrière dans la et avancer. D'accord. Voilà donc. Alors, quand je suis un élu de Dieu, il y a un autre télémaratis. Donc voilà pourquoi mon album, je l'appelle L'Élu. L'Élu. 007 parce que le chiffre 7, c'est un chiffre moko, il y a accomplissement, il y a un chiffre moko, magique. La Bible, c'est un chiffre, il y a perfection. Attention, comme ma la perfection, mais j'aime faire des choses bien. Moi, je n'aime pas faire la quantité dans la qualité. Voilà. Moi, j'ai fait la qualité dans la quantité. Donc, c'est un peu ça, le titre album, maintenant, L'Élu 007. L'Élu 007, peut-être, il faut bandir l'idée à premier volume, le deuxième volume, Featuring Ayone Riti Watanabe. Ouais. Oui, mais on a premier volume, bien deuxième volume. Le premier volume, avec Monsieur le Chanteur, le titre, c'est Nzala ya Bolingo. Ok. Donc, vous avez fait la chaîne YouTube, Nanga, Joe Kizi officiel. Voilà, donc, merci beaucoup avec Monsieur le Chanteur. Il y a un bébé na Swahili avec sa belle voix, la musique intelligente, mélangée à la rumba urbaine, au Yunga na Salarayanga. Ça a donné vraiment cette chanson-là. Donc, ils ont le premier volume. Mais c'est encore une chanson qui est encore nouvelle parce que ils ont en promotion. Voilà, je vous recommande quand même d'aller sur ma chaîne YouTube et de consommer ce titre-là. Ok. Tu as dit, tu as eu le temps, avant que ce deuxième volume, est-ce que c'est vraiment le temps, il y a un album, il y a un album, il y a un album, bon, en tout cas, c'est obligatoire. Donc, artiste, il faut toujours que il faut toujours que marcher comme une game, musique comme une voilà. Donc, je pense que. Donc mon album est vraiment ma musique a toujours été mélangée. C'est une musique où il a toujours mélangé dans ma sonorité il y a ma musique ébélée. Moi j'ai commencé à mélanger l'R&B à la rumba il y a très très longtemps. D'accord. Parce que lelo il y a des gens qui se proclament que bango ni ba yena makambwana. Te biso to bandango kala.
D'accord. Car la coutu makasi avant même bah, oui. Du comme international. Il y a qu'on change sa musique qu'on a congolaise dans la dans style urbain. Ah. Oh là là. Je reprends. Hein? Tu bandes en local. Ah. C'est seulement parce que. D'abord, on peut bosser par artiste et musicien sous au bazar à Kinshasa. Obi. Bon, on peut bosser par artiste et musicien sous au bazar. En tout cas, bah on va se te proclamer wana. Bangote bato wanzia. Ah oh là là. Bangote. Dis-toi tu veux comment bien international. Et puis c'est vérifiable. Ah bah loco, et puis tu vas loco. C'est vérifiable dans le sens ni sur le côté internet. Le petit bandier mon avis sur bah Jean Wana. OK. Vous m'en appelez exact à moi cala. Ah oh là là. Vous comprenez? Bah style wana, bah clip, bah plage, bah nini tout ça là en cala. Oh là là. C'est seulement parce qu'on a évolué en province, toi qui as la lumière, ma cassité, au niveau capital. Oh là là. Parce que, l'artiste, bah, il va encore en Akinité. Comprends? On m'a dit, on a tellement de bruit, on a boulé à Akin, on a Akin. Ok. Mais vrai, je m'en rebouille. Toi, tu es belé, tu as pas. Tu es comme tant que tu as un matin, tu as un matin. Tu as un international. Il y a des choses là déjà internationales, Kala. Parce que, tu dois payer l'Afrique du Sud. Tu dois payer la Zambie. Vous avez payé la Tanzanie. Vous êtes à l'autre côté. Vous êtes à l'autre côté. Vous êtes à l'autre côté. Oh là là. Vous comprenez? Il y a pas... Quand on dit local, bah, tu vas avoir local, on a sens à ma vie. D'abord, artiste et nous, ça sera local. D'abord, local dans le sens que le milieu où il y a Vandaka, c'est là qu'il évolue. Okay. Il est local dans ce sens-là. Ah, voilà. Quand on t'appelle local, on bien local, ça ne fait rien, ni chaud ni froid. D'accord. Il faut comprendre ça dans ce sens-là. Ah, oh là là. Voilà. Et puis, avant d'être international, on est d'abord local. On commence par être local, tu travailles. Après, l'international arrive. Comprendre. C'est plus important d'ailleurs d'être accepté localement. D'accord. Que ailleurs. Comment est-ce que tu veux que Bani Mayo et pas Baninga? Mais chez nous, on va n'est-ce pas? Je me rebouille. Il n'y a pas de mumie à l'Ibanda, mais il n'y a pas de mumie à l'Ibanda. Oh là là. Moi, je préfère encore que Babé en local parce que Babé en local, chez Bisso. Comprendre. Dès que nous sommes à Kin, si on est à Katanga, on va te dire la musique à Katanga, Joe, on a ça à ma macam. Tu vois un peu? Kizi, vous avez vraiment un groupe où est accompagné à Kayo? J'ai un orchestre. Tu as un orchestre? J'ai un orchestre. Vous aurez peut-être un qui ne peut pas tourner. Ça s'appelle Groupe La Kizia International. Ah. Ah, ouais. D'ailleurs, c'est ça le nom. C'est ça le nom de mon orchestre. International, mais vous êtes là. Parce qu'on a un amour qui est là. Oulala. Oui. Affaire 54 visas. Fali Poupa. Ouais. A eu 54 visas. Ouais. Tu attaques artiste, musicien. Bravo, bravo. C'est bien parce qu'il y a l'amour d'ouvrir son cœur à tout le monde. Comprendre. Mais je pense que. C'est pas quelque chose qui doit faire l'actualité. Moi, j'y pense, parce que beaucoup d'artistes, bah, ça là, bah, qu'il y a déjà l'artiste, c'est belé, tout cas là. C'est moi, je pense que l'actualité, il faut se concentrer sur son concert. D'accord. Je pense New Arena. Quand c'est 54 visas, bah, zobé, n'en haut, 54 visas, New Arena. Ouais. Je pense que. Il y a des autres comme là, on voit. Il y a ma visa, il y a l'artiste là, là. En tout cas, là, à côté. Donc, comment il y en a 54? T'es la même un peu orchestre la côté. Oh là là. La même orchestre, la Afrique australe, la Tanzanie, Banin. Mais un artiste musicien, un artiste congolais, a eu 54 visas pour que il y ait un groupe Mobimba, na France pour un concert à mon non, bravo, bravo à lui. En fait, ceux qui au lingi falite aux congolais, oui, il faut être fier de ce monsieur là. Il faut être fier. Il faut qu'on voyage pour comprendre la grandeur. Il y a nos koanas. Comprendre. Il défend bien notre musique. D'accord. On doit arrêter de vouloir tuer nos artistes. Comprendre. C'est une grande valeur de notre musique aujourd'hui. C'est-à-dire que ce Gaza, Azuil, Batuba, Visa et Bélé, il faut applaudir. Mais pour moi, je pense que ce n'est pas une actualité. C'est une actualité. Un artiste qui fait voyager d'autres artistes. D'accord. Maman Adeti Masikini. Ah, vous comprenez. Parce qu'on a l'objet que papa et maman, même quand il ne peut pas l'homme, ma crée. En tout cas, le bateau au pays, bazo critiquer Mignon Abraham pour n'en avoir visé à 5 ans, à 6 mois, à Fali, pour pas. Donc, le bateau, c'est normal. Artiste, non, mais ce sont des choses qui ont été déjà faites, je pense.
sont des choses, les collaborations doivent toujours se faire en matière d'artistes. N'a pas ton ami qui a reçu aucun concert, n'est-ce pas concert, on a, nous, Arena, on a un concert, il y a un merci. Il y a toujours des artistes qui jouent avant. Et ça permet aussi à ces artistes d'avoir de la lumière. Il y aura toujours, tête d'affiche, il y a encore le concert. Mais il y a toujours des artistes, je pense que Fali a amené une fois Guez Mawete, il a amené, Robinho, ça leur a donné une lumière. C'est toujours important de profiter de ce genre de choses. S'il amène certains artistes, je trouve que c'est une très bonne chose. C'est à féliciter et à lui dire bravo, quoi. Voilà. Tout comme tout ce qui fait malin, malin, ben, pour n'assouka y a émission à Bisso. Joe Gizzi, t'as beaucoup yo qu'à voir na yo. Mais la bande zimbo y a bah artiste à Bisso y a Awande Tinani. Yo mon pona. Na luke loka na luke homme Bisso voir na yo. Ah, unirumi esana. Ah, mamba unirumi. Na luke qui fait na Bisso déjà qu'à voir wa. Voilà. Naïm Bassouli. Papa Hervé. Y'a moi Naïm. Parce qu'il y a un bon continu. T'as la continuer. C'est faire égo la Josie de Lyon. Papa, minakouya, unirumie sana, kulomba, unirumie. Mounounia, kamamoutou, anafanya mbaya, echika, baba, silani mbaya. Kisilani, komu geni. Kisilani, komu geni. Tu cheze. Œuvre. Très belle chanson. Bon, ma meilleure chemise. Quand même, quand même, ma voix pas pervers, c'est pas facile, hein. Il y a Zamoyembi. Enfin, je t'informe aussi que dans la featuring, là, j'ai vu des nuances, tout ça, là, déjà, depuis, trois ans passés. Voilà. La Bimsa a monté parce que mon souci était dans la clip. Alors, son programme aussi, Ne permettait pas tout ça, L'homme des stades. Oui, j'espère qu'un jour, souci, dans Zouan, disait, moi, on a bombé un caca. Et je pense, c'était la première fois, Aïma la Swahili. Et tout ça, là, moi, avant ça, là, tu t'es essayé. Il m'avait dit même au studio, au Pessinga, Gouya, n'a ça la boire à Swahili. Ok. Donc, on a bombardé à moi, parce que mon souci a toujours été que Nzé Moana, et bien, la clip, madame. T'es un dozo le bobo, et zoko, mais l'amba, moi, papa, et en fait. Naza le plus heureux, parce que, le lot a commis trop grand, quoi. Donc, tant on a commencé à Nzé Moana, donc, ils a bien ma casse, quoi. Tu as eu le temps, il y a quoi, il y a dynastie, il y a papa Hervé, et où tu obima? Bon, en tout cas, na zuita, voyo kamo no sauté, j'ai écouté, je pense, deux titres. Je connais, j'ai pas retenu, les titres, mais je pense que c'est un très bel album, hein. Il y a des très belles chansons, des belles, c'est quand même, le padre, quand même. C'est une valeur. Il faut savoir reconnaître des valeurs. Reconnaître les valeurs, ça c'est pas une faiblesse. C'est ça. C'est pas une faiblesse. La concurrence doit être loyale. Tout le monde doit travailler pour occuper peut-être la première place. Okay. Mais ça ne veut pas dire que quand tu viens à la télé, on reconnaître Moninga ou Mikiti Cité. Voilà, là, on reconnaître ma valeur. Il y a Aigle, on reconnaître ma valeur. Il y a les Padres. C'est des grands artistes aujourd'hui où ils vont défendre musique Nabissou. Voilà, Joe Gizzi, nous sommes toujours à la fin de cette émission. Je dis encore merci à Nabinounos Bozaki Wana pour le Rolanda. Congo Eseng, officiel TV. Voilà, vous comprenez. Joe Gizzi, Azana Ki, Naloyo Salaba promotion aye. Et voilà, Pé Alobé, Abete Libi Soli Solo, y'a featuring. Mais Alobé, j'ai mon anga Oyo, Aye Obi Misanante. T'es toujours le bâti. Ah, ok, pour la carrière, c'est qu'il y a des soucis. En tout cas, on se message fort, Nini, Joe Gizzi, au Koko Pesabanaki. Non, message fort, c'est que, Congo est mon aîné. Et les talents, ils ont la province, nous, y a Congo. Nous sommes des Congolais. D'accord. Bref, tu vas pas Congolais. Et aujourd'hui, je comprends que Kin et comprendre que nous soyons à celle où on est bien, tu vas applaudir, tu vas te voilà, donc, et puis, on a aussi à donner dans la musique, y a Congo. Parce que, c'est un peu nouveau. Parce que quand on écoute tout le temps la même chose, les gens se fatiguent. Voilà. Donc, ngai pe na ye na makam na nga. Ngai mot na yemba carrosserie. Yo kanzot. Carrosserie. Et betarana. Tire le betarana ki. Dis mon nga. Bisoto yana ba style wana, ba house, ba afro, ba clip ya ba genre wana. Voilà. C'est que notre côté n'est pas ça, ma baby, c'est que il y a du lourd à l'intérieur avec ça, ma baby. Non, j'ai pas encore travaillé avec ça, ma baby. C'est peut-être dans les projets qui arrivent, parce que c'est important pour nous de travailler aussi avec des jeunes. Avec innocent. Il y a des négociations. Bon. Mais j'ai déjà fait un featuring, déjà dans mon album Oyo, il y a Lélu 07, avec un grand artiste, il y a une nouvelle génération. Parce que nous sommes encore en train de faire le clip.
bato ba mona ngo bientôt là et au bimapé. Voilà. Ngai na yo lobela mingi deuxième volume y album na ngai 007. Voilà, il y a un titre au ebimi il y a quelques semaines, okay. Concombre. OK. Voilà. Donc concombre né au na ko te kanaki voilà. Les a style moko très chaud, il y a la danse dedans et ebimi il y a quelques temps, allez sur ma chaîne YouTube Joe Kizi officiel. Joe ça s'écrit Joe J O E Kizi c'est K Y Z I officiel. Nyoso na loba oyo na ba nzembo akala na beaucoup ta voilà. Et beau consommer concombre, ils a vraiment sika sika. Featuring nanga pe na monsieur le chanteur Héritier Wata Nzala ya Bolingo. Donc voilà message nanga oyo na libana kin. Bon, et, message ni nokoko lancer pour na papa Hervé. Oyo tala yo pour na projet na binu. Il y a clip. Au bout, vous la papa Hervé. Oui, vous avez dit papa Hervé, vous avez dit papa Hervé, c'est la jogging. Avec son combat à Nzembo. Avec son combat à clip, maman, quand vous avez l'homme de stade. Et bien, tu dis, moi, la bombe, très belle chanson. Il y aura une voix dans l'aïe. Moi, je suis un chanteur. J'ai aussi une très belle voix. Il y a celle de la autotinte. Bon, toi, quand tu as ma moto, tu. Il y a celle de la moto. Pour le moment, moi, j'ai une belle voix. Il y a une autotinte. Autotune, les lots dans ma studio. Autotune, bah tiens, on a voix à Batoutou. Ok. La Batoutou dans le studio. Bah ça, c'est la autotune, mais évitez que Batiel. Non, je t'explique. Je m'en vais, moi, ma ingénieur à ma studio, ma JP Kiss, ma Niba, va vous expliquer, non, ma Kamouana. C'est mieux pour ça, le Au fait, on est dans Zoéma. Je chante bien, j'ai pas besoin. Que ce soit en studio, que ce soit en live, on a une barane, n'est-ce pas. Ok. Comprendre. En fait, Fali a ramené un peu l'autotune. Oui, il est Fali. Ouais, c'est parce que c'est évidemment. Je vais vous expliquer. C'est toi qui as commencé ce sujet. Voilà. Oh là là, moi je te posais des questions. Ah, il y en a un live. Pourquoi? Oh là là. Pourquoi il y en a un live? Je vais vous expliquer. C'est-à-dire, il ne chante pas tout le temps avec l'autotune. Oh là là. Il y a des chansons pour Ebima, dans la sonorité digitale, urbaine. Na live ba tchara pe mo ba effet même maître Gim sa tchara yango. Oh là là, vous comprenez, mais pas sur tous les morceaux tchara yango partout, c'est à dire qu'il y a des chansons pour Ebima ndenge Ebima na studio na ba sonorité mo bo digital ba tchara effet wana. Et puis je vais maintenant vous dire quelque chose. Si tu ne sais pas chanter, oui, il m'aura jamais na autotune. Oh là là, d'accord. Tous les chanteurs qui chantent avec l'autotune, ce sont des grands chanteurs. Voilà. Parce que autotune, c'est un mimabe, et au thème, sa voix, là, yo. Ok. Donc, si quelqu'un te chante. Sa voix faible, t'es. Non, pas du tout. C'est pas un effet. En fait, c'est un effet qui vient donner juste un peu de couleur à la voix. Oh là là. Non, voilà. Ça veut pas dire que chanteur a commis faible, qu'on est limité. Parce que là, ma discussion, moi, on a fait l'internet. Déjà, je te dis, pour chanter avec l'autotune, tu dois être un bon chanteur. Oh là là. Et alors, quand on coupe ça, un petit peinture na mur. Oh là là. Tu vois, ça donne un peu juste de feeling. Mais ça ne fait pas d'un chanteur qui n'est pas un bon chanteur. Non, pas du tout. Voilà, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Je te remercie de venir sur Zakana pour l'Olanda Congo et c'est un officiel TV. Eli 007, c'est pour bientôt. Deuxième volume, et bah, qu'ils ont écouté dans un album où ils ont peut-être été dans le marché, qu'ils ont écouté dans un afro-pétage. Pour y avoir que dans un côté afro-pétage, mais qu'est-ce que l'afro-pétage, ils ont eu? Oh, bah, maté. Il y avait pétage. Coco, nazana, nzala. Voilà. Bah, m'bote dans votre baling à Kayo, numéro de téléphone et puis programme en mouvement. Non, merci beaucoup. Ici, on dit merci beaucoup à son excellence, la Gemate Mototo. Il y a Mota Bensaki, l'artiste presque tout, tu as eu Beta Awa, tu as eu la Showbuzz, tu as eu la GB, la Chapiteau. Voilà, merci beaucoup à l'excellence, le sénateur Michel Kanim. Merci au colonel Chacal, le number one. Voilà, merci à Frank Ilunga, donc, Dani Mukendi, Stone Monga, ma staff Nanga Tuyakin, Nanti Nzobani. Voilà. Donc, hier, j'avais un départ. En tout cas, le public a bien répondu. Voilà. Je suis public. Alors, je suis encore à Kin, entre studio, promotion, émission. Bato Bandi, vous contactez. Vous m'appelez au plus 243 89 27 76 511. 089
27 76 511. Voilà, sur mes pages, c'est Joe Kizi Fondamental, que ce soit voilà. Sur Facebook, Instagram, TikTok, et voilà, donc Joe Kizi Fondamental. Ok, voilà, merci beaucoup Joe Kizi. Voilà. Et voilà, je dis un grand merci derrière la caméra à toi Armel, un grand merci à toi à Wachubas, un grand merci à notre cordon Zéis, une composition de la presse. Je dis un grand merci à toi Arnaud, un grand merci à toi Berliv, un grand merci à l'équipe Mobimba ya Congo et Senga, officiel TV. Merci beaucoup à notre boss, le général manager, papa Kovis Pipa. Merci pour nos conseils, merci pour nos coaching, merci pour tout papa. Et voilà, abonnez-vous massivement à Congo et Senga, officiel TV. Je dis un grand merci à Willy Mouchine, plus 243, les voies d'État Pakebo. Un grand merci à Yabrino Lubika, Mbongo ya propre. Merci à Saint-Patrick Ponsemon, à Général Maele. Merci beaucoup à toi, à Guéné. Merci à Soda Coiffure. Merci à Binounis Boulinga Kadja, Istumba. Autre Madi Benzema de la presse. Nazara Kaka, pour nous saluer la vie, nous sala, pour nous mener la vie, rien que la vérité. Awa l'okouté et kakate. N'a la vie, nous t'okouté, n'a mis soit si ka. Bisous, ciao.